Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands. Et regardez, il y avait la mission, qui m'avait bien fait rager, trouver court sur patte, voilà, utiliser une arme électrique. J'en ai pas malheureusement. On essaiera de voir ça. Mais on essaiera de voir ça, même sans utiliser d'arme électrique. Utiliser une arme électrique, quand c'est écrit en bleu, c'est que c'est pour plus d'XP. C'est des petits challenges pour plus d'XP, mais comme c'est des difficultés faciles, l'XP n'est pas tellement importante. On va essayer de se débarrasser de ces deux-là et regardez, un accueil glacial, il y a une apparence. Donc, on va prendre ces deux-là, on va retourner au fridge. Elle est parfaite, blonde, sexy, cousine très éloignée, sexy aussi, mais ses rats d'égout lui ont tourné la tête. Faut que tu la sortes de cette connerie de cannibalisme. Je veux pas me faire mordre. Apporte-lui ses fleurs préférées et à bouffer, et je suis sûr qu'elle redeviendra elle-même et qu'elle arrêtera de mordre. Oh, et si tu trouves des magazines de cul, mais par hasard, hein, comme ça, en te baladant, eh ben, rapporte-les-moi. Voilà, donc il faut rapporter. On va aller au fridge, hein, on va retourner là-bas tout simplement. Hop, il faut rapporter les fleurs et les magazines féminins. Donc on va se mettre en quête de tout ça. Avec notre mitraillette et la rage de Krieg. Et on va essayer de faire ces deux missions aujourd'hui. Donc, ouais, c'est des missions, c'est de la mission secondaire. Donc je vais revendre ce que je ne veux pas. Relique d'agression, dégâts mitraillette. Ouais, mais moi j'ai les santé, et franchement, voilà quoi. La santé, c'est la vie, comme on dit. 7009. Lui, il explose aussi. Et lui, il a plus en plus de précision. Donc, on revend aussi. Voilà, qu'est-ce que tu vends, mon ami? Bouclier, c'est pas ça du tout. Hop, donc on va au fridge. Hop. Voilà, donc là, on doit chercher. Donc là maintenant qu'on a pris du level, je pense que les missions seront plus abordables. Hop, plein, ça c'est les munites, ça c'est la santé, ok. Je pense que les missions seront plus abordables maintenant qu'on a pris du level. Hop, on va s'en permettre une. Là aussi. Hop là. Donc vous voyez que vraiment, ça, c'est devenu plus abordable. Bon, c'est toujours des fieffés saloperies, hein, les rôdeurs. Mais, c'est déjà devenu plus abordable de se battre au fridge. J'avais vraiment eu un problème avec ça, rappelez-vous. Et j'avais ragé un truc de malade. Mais il faut savoir que moi, quand je rage dans les jeux, c'est que je suis vraiment passionné, quoi. Et c'est vrai que Borderlands est un univers qui me passionne. Voilà. Borderlands, Fallout, deux univers vraiment, vraiment qui me passionnent et dont je suis vraiment fan. Non, c'est pas ça que je veux. C'est derrière. Merci de m'avoir fait sauter. Hop, magazine féminin. Voilà. Écoutez, hein, il
Il m'a dit de les rapporter, why not, hein. Je veux dire, je vais pas faire un... Dans la voiture aussi. Hop. Sans compter que là, il y a... Vous voyez, ces saloperies d'oiseaux. Voilà. Ah! Mais laisse-moi prendre mon truc! Allez! Ah! Déjà difficile de se... Voilà. De s'y mettre dessus. Si vous me faites chier, ça va pas faire. Le Fred qui rage. Non, mais c'est vrai, quand je rage, quand je prends le temps de rager sur un jeu, quand je n'aime pas un jeu, je rage 2 secondes dessus, et ensuite, je n'y joue plus. Je l'abandonne. Voilà. Quand je rage sur un jeu et que je m'acharne, c'est que le jeu me plaît. Mais à savoir que tous les jeux ont leur côté positif et négatif. Hein. On va pas se faire chier là. Hop. À savoir que tous les jeux ont leur côté positif et négatif. J'entends par là... Hop là, voilà, carrément. J'entends par là que... Le côté négatif, je dirais, de Borderlands serait les boucliers qui sont... qui se cassent en moins de rien, quoi. Mais après, bon, ça vous oblige à développer des petites techniques. Ce qui est, en soi, pas plus mal. Mais bon. Et le côté, je dirais... hop là. Enfin, c'est un jeu très très fun, hein. Je veux dire le côté positif, mais oui, c'est un jeu très très fun. Enfin, moi, je prends du plaisir à jouer avec. Vous l'aurez vu, je pense. Mais tous les jeux ont leur côté négatif, hein. C'est pas parce qu'on dit, ouais, ben ça, c'est en mousse, ça, c'est en carton, ça, c'est... Que on crache sur le jeu. Waouh. Mon ami... Déjà, tu respectes la dissidence, s'il te plaît. Wow. Ouais, vous êtes quand même coriace, les amis. Je sais pas si j'ai tous les livres de cul. Si, 3 sur 3, les livres de cul. Bon, je suis désolé, hein, mais c'est ça, c'est littéralement ça, quoi. Oula, vous. Vous méritez mieux. Pense. Non. Je sais que j'avais une fleur là-bas, mais il faut vraiment... C'est pas ça. C'est ça. C'est ça, si. C'est des fleurs de cactus. Il faut vraiment éviter les... Hop, ça se revendra. Allez, il est puissant. Il est puissant, ce flingue. Et ça, c'est cool. Et les oiseaux me font chier. Merde. Avant que les bestioles repop. Hop là, je sais pas si j'en ai pas tué un. Ah. On va essayer de se faire les
les piafs. Vraiment, parce que c'est... Putain. Ne me demandez jamais d'être tireur d'élite, les mecs. Kamikaze, à la limite. Mais pas tireur d'élite. Voilà. On est déjà un peu plus... tranquille. Alors. Là aussi, hein, les trucs de pizza, je sais pas si je les ai fait ou pas. Voilà. Quand on arrive à s'approcher vraiment du truc, on lui met quelques coups comme ça. C'est toujours bien. Vous voyez, ça fait de la thune. Putain, qui sont chiants ces oiseaux! Qui sont chiants ces piafs! Viens là, toi! Il est mort. Ça m'arrange. Donc voilà, il faut que je trouve les fleurs de cactus. J'ai tiré à côté. Mais c'est vraiment que quand je les attaque, quoi, qu'ils viennent m'enquiquiner, quoi. Ah, les oiseaux, quoi. Mais foutez-moi la paix, les oiseaux! C'est vraiment quand j'attaque les gros que les oiseaux viennent me faire chier, quoi. Bordel. Bon, les fleurs de cactus, là, j'aimerais bien en trouver un peu, parce qu'elles se trouvent au bord du truc, hein. Il faut tourner dans la zone, tout simplement. Waouh. Le machin qui pop sous mon nez, quoi. Il faut tourner dans la zone, tout simplement, et voir, quoi. Donc, je vais tourner dans la zone. Au pire, si je les trouve pas tout de suite, je vous ferai une ellipse. Hop, en voilà une. Bon, il fallait que ça pop. Ça me fait deux. Putain, il en faut cinq, quoi. Vous abusez, les mecs, franchement. J'aimerais bien retrouver un petit peu de santé. Il y en a une là-bas. Hop. Trois. Ça aussi, les trucs de pizza, je sais pas si on l'a fait, il me semble pas, je ne me rappelle plus. Mais ça aussi, les trucs de pizza, c'est pas triste. La quatrième, elle est là. Et la cinquième, elle est à côté, c'est parfait, on a tout. Ah, bah si, la pizza, c'est ça. Un. Deux. Mais pourquoi devenir cannibale tant qu'il reste de la pizza? Ouh. Trois. Quatre. Et la dernière, elle est en haut, il me semble. Voilà, elle est là-bas, donc faut se laisser tomber et ça va pas être triste. Vous allez voir. Sur la pizza, je m'en souvenais, la dernière avec un collègue, comme on avait galéré pour la trouver. Celle qui est en haut. Tenter de monter par là, ça sera plus simple.
Hop, hop, hop. Alors là, faut bien tomber. Bien tomber là-bas. Donc on va se mettre là où il y a l'arme. Il faut bien tomber sur le pic. Hop là, parfait. Hop. Pour désenvoûter l'ami. Oui, le vieux scooter aussi a du vocabulaire. Eh ben, on va aider Luné à retrouver ses esprits, hein, tout simplement. Tac, 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 tac. On va y aller tranquillou. Alors là, pareil, hein, c'est des petites missions pour... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est eux. Limite, on peut reprendre la... Non, la traillette, s'il te plaît. La traillette, s'il te plaît. Non, tu veux pas, hein. Tu la veux pas, cette mitraillette. Voilà, merci. Hop, pourquoi je peux pas bouger là? Hop là, on va faire un petit saut. Donc voilà, elle est là. On met les fleurs. Et la pizza, tout s'est mis, c'est parfait. Oh putain, non, recharge pas. Enfin, recharge, si, mais... Et c'est moi qui ai oublié de recharger, hein. Nickel. Il a pris feu, il a pris feu. Waouh, on se calme. On se calme, s'il te plaît, cet iridium m'appartient. Comment il ne m'appartenait pas? Maintenant, si. Oh, mais ils sont chiants, ces petits pestiférés. Oui, c'est les petits pestiférés. Ding, second souffle, tiens. Mais... Oh, que vous êtes chiants, les pustules. Bon, tu l'auras voulu, toi. Toi, t'auras voulu la rage. Voilà. Non, mais... Alors... Si quelqu'un s'oppose à ceci, qu'il parle maintenant, que je le fasse taire à jamais. Roche Maliwan améliore les caractéristiques des armes d'un fabricant spécifique. Ah oui, oui, oui. Oui. Mais on le revendra, ça, parce que je me sers de tout. J'ai des préférences dans un peu tout. Hein. Un accueil glacial au rapport, d'accord. Quand on va aller au rapport, on va d'abord regarder par où on passe. Ouais, il faut passer là-dedans. Est-ce qu'il me sent... C'est quoi ça? Oh, oh, yeah, yes, 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 yes. Déjà débloqué. Ah. Bon. On le prend pas, hein. Quand c'est déjà débloqué, on va éviter de le prendre, hein, tout simplement. Ah oui, il faut aller à Sanctuary, à mon avis, hein. Hein, hein. On va voir un petit peu ce qu'il vend, vite fait. Sachant que les articles changent toujours un petit peu. Là, on va revendre quelques petits trucs. Tout ce qu'il y a en haut, c'est sésame, oui. 235... Non, il fait 600, mon flingue. Tac.
4,28. Il fait combien celui que j'ai là? Ouh. Tu peux pas test. Ça on revend aussi. Ça je garde. Je sais pas pourquoi je garde. Enfin. Honnêtement, je vais vous dire, je préfère garder mon truc de santé. C'est. Je sais pas, je me sens plus rassuré avec. C'est comme on dit du placebo. Faites voir par rapport à. Il est là, hein. Il est là. Ouais, c'est ma technique pour le faire, ça. Bon, hop, on le vend. Non, merde. Par contre, j'ai oublié de... Excusez-moi pour le merde. J'ai oublié de... recharger mes armes. Voilà. 5 en grenade, pour moi, je pense que c'est bien suffisant. Parce que je m'en sers pas des tonnes. Sanctuary. On va au rapport chercher la nouvelle apparence et on retournera au fridge faire. Hop, voilà. On va aller voir Mr. Earl. Je ne sais pas si j'ai assez pour lui, mais. Ce que tu veux. J'ai 15. Ah, il va m'en manquer un peu. J'aurais bien aimé débloquer le reste pour mitraillette. Et fusil, au moins. J'ai 15, il me faut 20. Ce que je me sers, le plus. Et les flingues qui suivent derrière, il me faut 16. Mais je me sers vraiment plus de la mitraillette. Et c'est vrai que ouais, ça serait pas mal que je débloque... le plus possible pour la mitraillette. Moi qui pense hop. Que la lance écarlate, c'était moche. Donc on va aller voir notre ami. C'est en bas. C'est à son magasin, tout simplement. Hop. Voilà. Ici, scooter. Hop. Putain de rat d'égout. J'étais enfin sur le point de conclure, merde. J'aimerais bien conclure un jour. Ça arrivera, mon ami, ça arrivera, t'inquiète pas. Hop. Ou pas. Peut-être que s'ils sortent le Borderlands 3, parce que sachant que, enfin le 3 c'est le pré-séquel, donc le pré-séquel c'est ce qui se passe entre le 1 et le 2. Donc on peut pas dire, c'est pas vraiment une suite. Qui est très très bien, le pré-séquel, j'adore. Mais peut-être s'ils sortent un Borderlands 3 qui se passe après, vraiment, oui. Alors, c'est quoi la nouvelle? On l'a bien dit. L'échouillage total. Écoutez, on va changer de tête aussi, on va en profiter. Glouglou, j'aime bien, ma buzz. Ma buzz a soif. Oh oui, la tête de bourreau, allez. On va garder la tête de bourreau. Et on va faire, donc détruire le bunker. Non, j'aimerais bien EP à 30 avant, s'il vous plaît. Mais on va faire l'autre du fridge, tout simplement. The fridge, demi-portion. Donc voilà, libérer, cours sur patte, utiliser une arme électrique. On n'a pas d'arme électrique, mais on s'en porte pas plus mal. L'arme électrique, comme je vous ai dit, c'est des... Non, c'est en haut. Non, c'est là. C'est un petit challenge. Voilà. Mais on peut bien sûr utiliser toute arme. Hein. Voilà. Seulement, on n'a pas le petit bonus de plus qui est... Je sais pas s'il est vraiment minime ou pas. J'ai jamais regardé. J'en ai eu fait des tchals. Mais, ouais, j'ai jamais vraiment regardé. Donc, on va aller voir
notre ami court sur pattes et essayer de la voir pour cette fin d'épisode. Et essayer de ne pas rager. Parce que c'est des rôdeurs, les amis. Et que les rôdeurs, c'est le mal. Waouh, ils sont revenus. Hé, hey, mais bouge pas. Tiens, brûle. Voilà. Nickel. Fais-moi plaisir, brûle. Burn, baby, burn. Hop là, est-ce que c'est par là? Alors attendez, est-ce que je me gourre pas? Non. Non, non, faut que je prenne une des trois branches, hein, n'importe laquelle, on s'en fout. On va prendre celle-là, hein, du coup. Puisque ça amène, quoi qu'il arrive, à notre objectif qu'on va rusher. Wouah, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Tu repars, tu repars, tu repars. Ah, c'était pas la bonne branche. J'ai comme l'impression qu'on n'aurait même pas dû descendre. Ah, attends, on va essayer de remonter. Wouah, 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 wouah. J'y avais été la première fois. Alors attendez. Ouais, il faut qu'on remonte. J'y avais été la première fois. Mais ça fait un bail. Faut qu'on remonte et qu'on prenne, et qu'on prenne, et qu'on prenne. Alors attendez. Hop, 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 hop. On aille de là-bas. Et un couloir à prendre. Voilà, c'est ici, il me semble. C'est ça? On ouvre? Ou Non. C'est ici, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Ouais, il me semble bien que c'est ça, ouais. Là, là. Mais arrêtez de danser, mon dieu! Mais vous me faites quoi, là? Un ballet de Rachmaninoff? On meurt, messieurs! On ne danse pas, enfin! Boum! Voilà! Tu m'auras au moins servi à me ressourcer, monsieur. Alors, c'est par là. Il me semble. Faut tuer Lenny. On va essayer de rusher jusqu'à lui, par contre. J'ai horreur de ces bestioles-là. Il me semble que je vous l'avais dit, non? Alors si vous entendez du bruit, c'est les gosses dans la cour. Hein. Vous le savez maintenant. À cette heure-ci. Malheureusement, hein, on ne peut rien faire pour. Comme je vous avais dit. Il me semble. Enfin. Ouais. Non, je vais pas relancer le débat. C'est un débat dans le vide. Et ça serait pas constructif. Je
vous avez dit à l'époque qu'il me semble que moi, nous à notre époque, hein, les gamins en général faisions moins de bruit. J'ai l'impression que maintenant, la génération de maintenant, très jeune, a besoin de s'exprimer en hurlant et en faisant du bruit. Alors, hop, vous allez me dire, c'est très contradictoire, t'es un métalleux et t'aimes pas le bruit. J'aime la musique métal déjà, hein. Pour moi ce n'est pas du bruit, c'est de la musique. Faut respecter toutes les formes, hein, de musique, je n'aime pas le rap, mais je reconnais que c'est une forme d'expression artistique. Voilà. Hein, je ne dénigre pas, disons. Hein. Je reconnais que c'est une forme d'expression artistique, bien que quelquefois ce soit limite respectueux. Mais bon, ça c'est le choix des rappeurs après de faire ce qu'ils veulent. Mais voilà. Et ouais, un peu de calme quoi pour. J'aime aussi les musiques calmes, hein. J'aime aussi les musiques un peu psychédéliques. Je sais pas si vous connaissez, hein, Capdeviel, TFN, toutes ces musiques-là. C'est mon style de musique, ouais, clairement. Alors, j'avais pas compris là ce qu'il fallait faire. Est-ce que je dois tuer l'entité? Ah d'accord, bah je l'ai tué. En gros, je l'ai tué. Par hasard. Savoir que quand ils ont plus de boucliers, ils ne se téléportent plus. Hein. La téléportation va avec... avec le bouclier, alors c'est pour ça qu'ils font des esquives à mort pour essayer de remonter leur bouclier et qu'ils puissent se re-téléporter, tout simplement. C'est pour ça qu'ils se barrent. Ils se barrent et ils cherchent à vous esquiver à mort. On va essayer de les tuer, on va essayer de faire le carnage. Et il a essayé de se téléporter, mais je l'ai touché avant. Et du coup, donc si je meurs, hein, j'irai direct au rapport, hein, c'est pas... voilà. Venez là. Putain, il arrête pas de se téléporter. Il est chiant. Mais t'es d'un chiant, putain. Vous imaginez avoir une bestiole domestique comme ça? C'est la mort, les enfants. Parce que votre bestiole va faire des conneries à foison. Et quand vous croirez de l'engueuler, elle va se téléporter. Vous serez obligé de lui tirer dessus pour... Hop là, voilà. On va fouiller ces merdouilles. Vite fait. De toute façon, c'est... Oh, 33, dites donc. On va se quitter là, donc hein, on ira au rapport le prochain coup. De toute façon, mais on a réussi. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et je répondrai toujours avec délice, volupté et dissidence, bien sûr. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.